Donc Poès est une enseigne d'indépendants qui s'est créée en 71, dont l'objectif est de faire de la prestation de services sur tout type de véhicule, d'entretien rapide, changement de pneumatique, vidange, freinage, amortisseur, batterie, balai d'essuie-glace, du remplacement sur du véhicule industriel également, avec du particulier, mais également des flottes professionnelles. Alors nous sommes un des plus gros intervenants sur notre marché, puisque nous avons 470 points de vente à aujourd'hui. 53 nous ont rejoints l'an dernier, et on en a déjà recruté une quinzaine à l'heure où nous parlons, fin mars. Donc vous verrez que le développement de Poès est un des éléments les plus essentiels de notre enseigne. On a comme objectif d'arriver, peut-être dépasser, en tout cas arriver aux 500 points de vente d'ici la fin de cette année. Développement national, puis développement international, puisqu'on a également 3500 points de vente dans le monde. On a déjà eu deux points forts depuis le début de cette année. Le premier, on a lancé un quatrième concept après le pneu et l'entretien rapide, le produit industriel et le centre auto. On lance Poès City. City qui a pour objectif de mettre des Poès sur des petites agglomérations ou dans des hyper-centres-villes, de façon à aller chercher des clients là où ils sont, mais malheureusement où Poès n'est pas encore, sur des peu petits schémas qui également ont des coûts moindres, des coûts de bâtiment, d'équipe en nombre, et puis des coûts d'enseigne, on y reviendra je pense après, également. Donc on lance Poès City, on l'a lancé en janvier. En février, on a notre premier Poès City qui nous a rejoint, qui est en cours d'harmonisation actuellement. Et puis deuxième nouveauté aussi de ce début d'année, c'est le Maroc, puisqu'après les États-Unis, le Canada il y a 2 ans, l'Afrique du Sud il y a 3 ans, 24 pays en Europe également. Nous venons de prendre une master franchise au Maroc avec un gros groupe marocain qui devrait nous faire arriver à 10 points de vente environ d'ici la fin de l'année prochaine. Donc on est très satisfait aussi de cette perspective. D'autres perspectives de développement pour 2016, d'où la présence de Poès au salon de la franchise. Je dirais que tout d'abord, on est une enseigne d'indépendants. On n'est pas rattaché à un fonds d'investissement, on n'est pas rattaché à un fabricant non plus. Les actionnaires de notre enseigne sont ses franchisés. Donc ça, c'est un premier point et un véritable point important pour un futur franchisé qui voudrait nous rejoindre. Deuxièmement, on est sur plusieurs créneaux d'activité, plusieurs concepts, donc plusieurs services aux clients également. Trois, une vraie notoriété, puisque Poès fait partie des 3-4 enseignes les plus connues de son secteur d'activité. Le maillage, on en parlait à l'instant, c'est important également. Quand un chef d'entreprise choisit un réseau, il faut que ce réseau ait une vraie existence, une histoire aussi. En fait, nos 45 ans d'existence cette année, un maillage international, des accords nationaux et internationaux aussi négociés avec des grands groupes, flotte d'entreprises, administration, lourd longue durée par exemple, et puis beaucoup de services proposés en accompagnement à l'adhérent, qui est amené dans l'enseigne par un développeur, il y a un service développement chez nous, un suivi, des journées d'intégration au siège et en point de vente, et puis ensuite, on a des formateurs, des animateurs, qui vont prendre le relais, si je puis dire, pour continuer à suivre et à bien suivre dans la profitabilité de son entreprise, notre nouveau franchisé. Je dirais qu'il en faut 3 essentiels. La première, c'est un bon manager, parce qu'une équipe Poès, il y a des effectifs. Il y a de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, pour les plus importants, personnes qui composent un point de vente. Donc il faut savoir manager son équipe. Il faut être également commerçant, puisqu'on s'adresse à une clientèle, je le disais tout à l'heure, de professionnels, mais de particuliers aussi. Donc il faut savoir faire du commerce. Et puis enfin, troisième point, il faut savoir gérer son entreprise, donc avoir des connaissances de gestion. Mais tout cela, Poès l'apporte ou le complète à un futur franchisé qui voudrait choisir notre enseigne, qui a des coûts très restreints, puisque appartenant à ses membres, nous avons des coûts d'enseigne qui sont effectivement très restreints.